Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance de renforcement musculaire haut du corps. Alors, pas de cardio dans cette séance. Bien évidemment, on va s'échauffer pour ne pas démarrer à froid. Mais après, ce sera uniquement du renforcement musculaire pur et dur. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres séances, n'hésitez pas à faire une séance de cardio que vous trouverez dans les autres vidéos avant cette séance, pour bien activer le corps, vraiment venir brûler un max de graisse, ce qui vous permettra après, en enchaînant sur une séance de renforcement, qu'elle soit encore plus efficace et qu'on travaille vraiment directement sur le muscle en profondeur. Alors, pour notre séance, vous avez besoin d'un tapis, de petites haltères, pardon, comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous prenez des bouteilles d'eau remplies, ça fera l'affaire. Vous avez également besoin d'une kettlebell. Même chose, pour remplacer la kettle, vous pouvez prendre deux petits bidons comme ceci, bien rigides, remplis. Ce qui est important ici, c'est d'avoir une anse, voilà, qui soit tout aussi rigide et qui vous permette, pardon, une manipulation optimale de l'outil pendant l'exercice. Vous avez également besoin d'une chaise qui soit solide, bien évidemment, et stable, afin de pouvoir vous appuyer dessus en toute sécurité. Veillez également à avoir de quoi bien vous hydrater tout au long de la séance. Et donc, on part sur six exercices qui vont constituer une série que l'on fera 4 fois. Et on part sur 20 répétitions pour chaque exercice. D'abord, un petit échauffement rapide pour ne pas démarrer à froid. Je vous mets de la musique et on est parti. Dégager ceci. Ok, on vient trottiner sur place et on est parti. Allez, dès le départ, on est gainé. On vient mettre le corps en mouvement progressivement. On active la machine. On tire le nombril vers la colonne vertébrale. On se grandit. On est bien tonique dès le début. Et je souffle bien par la bouche à l'expiration. Allez, on trottine. Toujours en soufflant bien. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient monter les genoux. Allez, tirez toujours bien le nombril vers la colonne vertébrale. On monte les genoux montent aussi haut que les hanches. Le talon ne touche pas le sol, c'est la pointe du pied qui fait monter la jambe vers le haut. Les épaules restent bien au-dessus des hanches. Le nombril tiré vers la colonne vertébrale. Allez, dans les montées de genoux, on vient bien entendu activer les jambes. Mais on vient également activer les abdominaux qui se trouvent tout en bas du ventre. Venir placer ici vos mains sur le bas-ventre. Et vous sentez en faisant les montées de genoux que ça se contracte et que c'est tout dur. Allez, on s'accroche, on tient. On souffle, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne avec 30 secondes de jumping jack. Où on vient activer jambes et bras. Allez, on reste tonique. Donc en trottinant, on est venu activer les jambes. Pour les montées de genoux, on continue à activer les jambes. Et on monte d'un cran en venant inclure les abdos. Et ici avec le jumping jack, on termine sur une globalité du corps en activant les bras. Jambes, abdos et bras travail. On sera passé partout, échauffé, niqué. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok, parfait. On enchaîne. Alors, on commence notre série avec une haltère. Et on vient se placer sur le tapis. Je
vais bouger l'orientation pour votre facilité. Voilà, que vous voyez bien. On vient placer l'haltère devant soi. Les mains bien à plat au sol. On démarre en planche. Planche sur les mains cette fois-ci. Les mains sont bien écartées, largeur des épaules, pas plus. Bien à plat au sol et sous les épaules. On vient prendre appui sur le bout des pieds, sur les orteils. Basculer le pubis vers l'avant pour bien protéger le bas du dos, les lombaires. Tirer le nombril vers la colonne vertébrale et on est placé en planche. Et en fait, on vient effectuer un déplacement de l'haltère de gauche à droite. Allez, on vient passer d'un côté et de l'autre. Toujours en stabilisant les hanches au maximum. Donc on n'est pas occupé à balancer de gauche à droite. Gardez le bassin en rétroversion, donc basculez vers le sol. Serrez les fessiers. On tire le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. On n'oublie pas de respirer. 3. 2, 1, les mains plates, posez les genoux au sol et relâchez, parfait. On enchaîne avec la suite pour laquelle vous avez besoin, pardon, des deux haltères, une haltère dans chaque main, les mains, les paumes de main tournées vers l'avant, donc les pouces sont vers le haut et vos doigts sont vers l'avant également. On vient fléchir les coudes en gardant bien les bras au sol. Et ensuite, je viens monter les bras en effectuant une petite rotation. Donc, mes mains se retrouvent dans l'autre sens. Mes doigts terminent vers l'avant lorsqu'ils sont en haut. Ramenez, les doigts sont vers moi. Mes ongles sont vers moi. Et je redescends. Allez, soufflez. Et on enchaîne. 1. 3. Allez, on continue à bien souffler. On reste gainé, donc on a le nombril tiré vers la colonne vertébrale durant tout l'exercice. C'est pas parce qu'on travaille les bras et le haut du corps qu'on oublie de solliciter les abdos. Ça permet de bien verrouiller la sangle abdominale et de protéger le dos au maximum. Allez, on est à la moitié, courage, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier. Parfait. Gardez les haltères en main et on enchaîne directement avec des élévations frontales et latérales. Donc, les haltères sont bien prises. Les bras, pardon, sont bien le long du corps. Je viens élever une haltère devant et l'autre de côté. Et on haltère. Allez, on monte bien jusqu'aux épaules. Pas plus haut. Soufflez bien. On reste gainé, alors le tronc reste droit, donc fixez bien les épaules qui doivent rester dans le même axe que les hanches, c'est-à-dire que vous ne devez pas tourner comme ceci avec le tronc de gauche à droite. Le tronc reste stable et c'est uniquement mes bras qui bougent. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. On dépose les haltères, prenez votre chaise. Et on est parti sur un travail des triceps, même chose, 20. Donc on vient prendre appui, les doigts bien vers l'avant. Le reste du corps est en dehors de la chaise et on souffle en descendant. Allez, les fesses ne touchent pas le sol,
Jambes fléchies ou tendues comme vous voulez. 4. Allez, soufflez. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, encore 10. Là, on vient travailler l'arrière des bras. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et relâchez. Reprenez les haltères. Et on est parti sur un travail des épaules et des pectoraux. Les bras fléchis à 90 degrés. Soufflez en haut et puis reviens devant. Allez, c'est les coudes qui se resserrent. On tire bien le nombril vers la colonne vertébrale. Ne creusez pas dans le dos. Donc on vient placer le bassin en rétroversion. Poussez le pubis vers l'avant. Serrez les fessiers. Étirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on a la moitié. Encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Relâchez. On termine la série en prenant la kettlebell. Et on enchaîne sur un swing en remontant jusqu'en dos. Donc, d'abord de face, que vous voyez bien. Donc, les jambes sont écartées plus larges que les hanches. Les orteils partent vers l'extérieur. Mon dos reste droit. J'utilise le tronc en mouvement de balancier. Et lorsque je reviens en haut, je pousse avec les hanches. Donc, mes fessiers sont à nouveau bien serrés pour assurer une bonne stabilité et un bon renforcement dorsal. De côté, mon dos reste droit. Je balance en gardant le dos droit. Et en haut, je pousse les fessiers vers l'avant. Les fessiers sont contractés. Et comme ça, on est bien solide et bien stable en haut. Allez, on enchaîne et c'est parti. 1. 2. Allez, poussez les fessiers vers l'avant. Lorsque le poids monte vers le haut, on souffle en montant. Allez, souffle. Inspire, souffle. Allez, encore 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, et le dernier, relâchez. Parfait, série bouclée, on enchaîne pour la suite. Allez, on voit un coup si nécessaire, et on repart directement. L'haltère au centre, bien en appui sur les mains. Basculez le pubis vers l'avant, tirez le nombril vers la colonne vertébrale et on est parti. Allez, fixez les hanches pour ne pas onduler de gauche à droite. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on continue, encore 10. 9. 6, serrez les hanches, serrez le bassin. 5, 4, 3, 2, 1. Deux mains à plat, posez les genoux, relâchez. On prend les haltères et on enchaîne. Donc avec les biceps et monte. N'oubliez pas, donc les ongles pardon, vous regardent. Quand vous êtes dans cette position-ci, et ensuite quand on monte, on sent vers l'avant. Allez, on reste gainé. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale.
Allez, on souffle, on respire. Allez, là on vient bien dessiner les biceps et les épaules. Encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. On n'oublie pas de respirer. Allez, le dernier. Et relâchez. Un bras tendu devant, un bras tendu côté. Fixez le tronc. Et on est parti. Montez jusqu'à l'épaule. Et 3, 4, 5, 6, 7. Serrez les fessiers, les abdos. 9, 10. Allez, encore 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. La chaise pour les triceps. On est parti directement, on enchaîne. Allez, go. Soufflez bien en descendant. Allez, 5, 6, 7, 8. 9, 10, encore, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. On reprend les haltères. Rafléchis à 90 degrés et on est reparti en développé et en pec. Allez, ça commence à chauffer là, c'est normal. Sans creuser dans le dos. Basculez le bassin vers l'avant. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, soufflez. Là, on vient dessiner le buste. Les épaules toujours. On vient bien engager les pectoraux. Allez, les coudes se resserrent. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. On attrape sa kettlebell et on enchaîne directement. C'est parti. Gardez le dos droit et poussez les hanches devant en serrant bien les fessiers. Et toujours le nombril lorsqu'on est grandi. Soufflez bien en tirant le poids vers le haut. Allez, gardez le dos droit. C'est vraiment un mouvement de balancier. Ok, encore 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, gardez le dos droit, 3, serrez les fessiers, les abdos, 2, 1, et relâchez. Allez, on est sur le départ de la troisième. On n'hésite pas à boire un peu entre les séries. Et on est parti pour la suite. Allez, bien en appui sur les mains. On est bien en planche. Bassin basculé vers l'avant. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Et on est parti. Allez, 1, 2, 3. Fixez les hanches. 4, 5. Encore 10, 9, 8, fixez les hanches, 7, 6, si mon tapis veut bien,
plat. Posez les genoux. Et redresse. On attrape les haltères. Et on réenchaîne sur les biceps. Allez. N'oubliez pas la rotation lorsque les bras montent. Allez, tirez le nombril vers la colonne vertébrale toujours. Allez, on a les épaules qui chauffent là, c'est normal. Ce serait pas normal qu'elles ne chauffent pas. N'hésitez pas si ça devient trop difficile à prendre des poids un petit peu plus légers. On va dire que des poids de 500 grammes, c'est le minimum vraiment pour commencer un travail efficace. Allez, encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. Et le dernier. Parfait. Restez gainés. On tire le nombril vers la colonne vertébrale et on reprend nos élévations. Allez, soufflez bien. Surtout pas d'apnée. On monte bien jusqu'à l'épaule. Allez, on est à la moitié. Encore 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. On vient se placer sur la chaise. On est parti pour les triceps. Allez, on enchaîne directement. On ne laisse pas autant aux muscles, pardon, le temps de se refroidir. Soufflez à la descente. 6, 7, 8, 9, 10, allez, encore 10, 9, fléchissez bien les bras, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et redressez. On détend un peu les épaules, on reprend les haltères, allez, les bras fléchis à 90 degrés, et on est parti. Serrez bien les coudes, soufflez bien, sans creuser dans le dos, bassin en rétroversion, nombril tiré vers la colonne vertébrale toujours. Allez, on souffle, on respire. 7, 8, 9, 10. Allez, on est à la moitié, courage. Ça pique, mais on s'accroche. Allez, 8, serrez les coudes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, relâchez, la kettlebell, allez, on enchaîne, et on est parti, gardez le dos droit, serrez les fessiers, les abdos, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. On souffle bien en redressant. Allez, encore. On s'accroche. On tient, ça diminue. Servez-vous bien de vos fessiers, de vos abdos contractés pour assurer une bonne stabilité lorsque le poids est en haut. Allez, encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, gardez le dos droit, 2, 1, et relâchez. Allez, dernière série, on enchaîne. Bien, reprendre sa petite haltère placée sur le tapis. On est en appui sur les mains. Poussez le pubis vers l'avant, vers le sol.
serrez les fessiers et les abdos et on est parti. 1. Fixez les hanches. Serrez vos fesses et votre nombril tout le temps. Soufflez bien, n'oubliez pas de respirer. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Les mains bien à plat au sol. Fléchissez les genoux. Ok, on redresse. On attrape ses haltères. Si ça devient vraiment tout difficile, surtout, on ne relâche pas. Travaillez à vide, c'est pas grave. On travaille à vide, on termine la série, c'est la dernière. Oh, pardon. Hop. Et ici en haut. Et 1. 2. 3. On reste gainé. Tirez encore le nombril vers la colonne vertébrale. On n'oublie pas de souffler. Allez, 7. 9, allez, c'est la dernière série, c'est pas le moment de lâcher. On a peut-être un peu les épaules en feu. Normal, on s'accroche, on tient. Allez, encore 8. 7. Serrez les fessiers, rentrez le nombril. 5. 4. Et le dernier. Ok, gardez les haltères en main. Et on enchaîne directement avec les élévations. C'est parti. Allez, on souffle, on respire. Faites-le à vide. L'important, c'est pas de vous forcer, de vous faire mal. Donc faites l'exercice correctement. Si c'est trop lourd, travaillez à vide. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. On vient de enchaîner avec les triceps. Je vais dire terminé, mais non, c'est pas encore terminé. Allez, on souffle à la descente et on est parti. Allez, soufflez. 5. Passez bien par la flexion et l'extension totale des bras. 9. 10. Allez, ça diminue encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et remontez. Allez, plus que deux exercices. On lâche pas, c'est pas le moment, c'est la fin. On vient placer les mains, pas obligatoirement avec les haltères, comme vous voulez. Et on enchaîne. Allez, soufflez bien. Toujours avec le bassin en rétroversion, en tirant bien le nombril vers la colonne vertébrale. Alors, si vous avez décidé de travailler à vide, il n'y a pas de souci, franchement, continuez. C'est beaucoup mieux de continuer à vide plutôt que de s'arrêter. Ou de continuer avec les haltères et d'aller se blesser. Allez, 8. 7. 6. Soufflez. 5. 4. 3. 2. Et relâchez. Dernier exercice, on prend sa kettle ou son bidon et on est parti. Allez, soufflez en haut. Continuez à bien serrer les fessiers. On tire le nombril vers la colonne vertébrale toujours.
Allez, c'est la fin. Il reste rien. On s'accroche. On garde le dos bien droit. Encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Verrouillez la sangle abdominale en haut. Parfait. Et voilà, petite séance, petit circuit tranquillou de renforcement haut du corps. Petite série, 4 fois, elle est tout bien passée. Alors, pour les étirements, vous pouvez bien évidemment, c'est même mieux de les faire plus tard à froid. Moi, évidemment, je le fais directement à la suite de la vidéo. Voilà, on vient relâcher les épaules en venant faire des petits cercles vers l'arrière. Soufflez bien, même chose vers l'avant. Allez, on prend 3, 2, 1 et relâche. On vient étirer le fessier antérieur et les pectoraux. Les mains viennent se rejoindre dans le dos. Tirez vos mains vers l'arrière. Et on vient sortir la poitrine devant. Allez, on sent le faisceau antérieur qui s'étire, c'est normal. Tirez bien les mains vers l'arrière, sortir la poitrine devant. Et on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. La main droite entre les omoplates. Comme ceci, la main gauche vient tirer le coude. Allez, toujours sans creuser dans le dos. Basculez le pubis vers l'avant. Allez, on se grandit, on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Lâchez, changez de bras. Allez, on vient bien coller le bras à l'oreille. On tire le coude vers l'arrière. Sans creuser dans le bas du dos. Soutenez-vous. Tonifiez la sangle abdominale tout le temps. Allez, on tient encore 10. 9. 7, 6.